Eh bien, salut à toutes et à tous les gens, c'est Pickup pour une nouvelle vidéo sur mon bureau cette fois-ci. Donc c'est vrai que ça change un peu. C'est vrai qu'au début j'étais que sur les jeux, tout ça. Et donc aujourd'hui, vidéo sur... c'est quelque chose qui est beaucoup demandé, enfin pour moi je trouve que c'est quand même beaucoup demandé, sur comment installer des mods sur Minecraft. Donc là, moi précisément, je vais faire sur Premium, hein. J'ai le Minecraft Premium. Donc il va falloir de deux trucs, enfin plusieurs trucs je veux dire, mais bon, le truc essentiel c'est Forge, donc ce qui va permettre de vous installer les mods, car si vous mettez pas Forge, ça va pas marcher, hein. Faut pas rêver. Et deuxième c'est un mod, donc moi vous pouvez le voir ici, j'ai Forge et Optifine. Je vais vous montrer où on peut les trouver d'abord. Donc vous ouvrez une page Google et vous allez taper sur Google Forge Minecraft, voilà. Vous recherchez tout ça. Vous prenez, je crois que c'est le. Attendez, c'est celui-là. Attendez, le. Enfin, ça, c'est les pubs, donc on peut dire le troisième. Voilà, vous arrivez sur la même page. Donc voilà, vous arrivez là, vous descendez et vous prenez celui-là. Vous cliquez sur ça. Cliquez sur ça. Vous mettez une pub, je pense. Allez, dépêche-toi. Alors, ah voilà, et vous avez un petit fichier, voilà. Donc si vous faites enregistrer, ça vous fait Forge. Et donc après, bon, vous avez un mode, je sais pas, vous tapez mode Minecraft 1.7.2.7.2. Enfin, vous allez par exemple sur merde. Prenez par exemple celui-là. Dépêche-toi, allez. Too many items, voilà. Bon, je vais pas le prendre. Vraiment, j'ai déjà Optifine. Vous avez petit Too many items. Vous téléchargez téléchargement ici avec Forge. Faut bien prendre avec Forge. Hein. Sans Forge, c'est pour les craquer, je crois. Et là, c'est avec Forge. Faut bien prendre. Donc voilà, donc une fois que vous avez tiré vos deux fichiers, vous les mettez sur votre bureau, c'est plus pratique. Vous les avez. Donc moi, juste avant, j'ai enlevé Forge pour pas qu'il y ait... pour que je puisse faire la vidéo, vous pouvez le voir. Mode... non, c'est pas mode, je suis bête. Version... voilà, il n'y a plus cette poire de Forge. Ah oui, par contre, quelque chose qu'il faut faire, c'est... avant d'installer cette poire de Forge, il faut quand même installer la 1.7.2. Pas Forge mais là pour cette poire, car il va vous le demander si vous l'avez pas installé. Et vous pouvez voir aussi les mods, je n'ai pas Optifine. J'ai voxel map pour la minimap, shader, voilà, RS minimap que je vais supprimer car il ne sert à rien. Voilà, donc voilà, donc j'ai pas Optifine et j'ai pas Forge, donc ça je sais pas ce que c'est. Donc on va faire Forge, vous cliquez dessus. Ok, et donc là vous l'installez. Ça va être un peu long je pense, parce que comme je tourne, à moins que non, what? Il a fini ou quoi? C'était éteint. Donc voilà, donc, ah c'est bon, voilà. Ok, donc là on peut voir que Forge est là, hein. Ah, je pense. En même temps je fais pas de vidéo. Non, pas mode, ah, je crois que je me trompe, désolé. Forge, voilà, il a installé Forge. Et donc maintenant, on va tout de suite le mettre dans mode, hein. on va pas le faire en lançant. On va mettre Optifine. Faut le glisser dedans. Donc il faut qu'il soit comme il est, hein. Vous glissez dedans. Voilà, vous avez juste à le glisser. Un truc aussi, il faut, enfin, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Faut, je veux dire, faut mieux que le, attendez, on va dans mode. Faut mieux qu'en fait que le mode soit sous jar ou enfin un fichier unique. Qu'ils soient pas en dossier. Car en fait, bah, ces deux dossiers là, c'est pas moi, c'est le dossier là qui les a créés. Il faut mieux qu'ils soient, quand vous téléchargez le... souvent, tous les mods qui sont pour Minecraft Premium avec Forge sont comme ça, souvent, de toute façon, vous avez pas trop. Mais sinon, essayez d'en trouver un comme ça. Car souvent, si vous mettez un mode en dossier ou en WinRAR, souvent ça marche pas. Ça, c'est chiant. Donc voilà, on quitte ça, on va ouvrir Minecraft. Voilà, on va faire play.
Ouais, donc là il nous met 1.7 points de forge. On ouvre. Donc là il va un peu chercher la version, mais ça va vite, voilà. Allez, dépêche-toi. Désolé si ça lag un peu, c'est... pourtant c'est pas si... c'est un bon PC. Faut savoir que c'est pas le mien. Le mien est... le mien on peut... on pourrait dire, enfin en réparation non, mais je veux dire en... plutôt en... en modification. Je change ma case graphique. C'est vrai que j'avais jamais fait de vidéo tuto. Ça, ouais, au moins ça, ça fera du nouveau sur ma chaîne. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, il nous met Minecraft Top 7.2, voilà tout ça, 4 modes loaded. On peut voir dans mode Optifine. Déjà on voit Optifine, donc normalement il marche, hein, faut espérer. Donc c'est le map, tout ça, Minecraft Forge. On va voir s'il marche. Hein. Option graphique, normalement, voilà. Vous avez votre Optifine, donc vous pouvez le mettre en extrême. En comme vous voulez, quality, tout ça. Donc vous avez tout ce que vous avez, votre Optifine. Je vais même vous le montrer en preuve. On va aller sur quoi? On va aller sur un monde solo. On se dépêche, what? Voilà. Donc vous pouvez le voir, hein. Je peux faire CTRL. La commande de Resmia. Vous pouvez même voir que Voxel Maps en haut ici qui marche. Donc voilà. Donc je vais quitter ça. On quitte Minecraft. Et donc voilà, voilà, ça vous prouve au moins que ça marche. Donc voilà, j'espère que voilà, les gens vous aurez apprécié cette première vidéo tuto sur mon bureau. C'est vrai que j'en ai jamais fait. Mais c'est vrai que je me suis dit comme ça, ce serait bien que je me lance dans des petits tutos à côté des vidéos de jeux que je fais. Je me suis dit, voilà, ça pourrait être sympa. C'est vrai que il y en a beaucoup qui font ça, donc je me dis bon, je peux en faire aussi. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Oh les gens, désolé, j'ai pas pu vous dire au revoir. J'ai coupé la vidéo avant que je dise au revoir. Donc ciao les gens. Ok, gros fail, c'était vraiment pourri. Ciao.